Shalom, le maréchal de la brigade antisociale, le prophète Joël Grasso. Merci ceux qui croient en notre ministère et ceux qui nous apportent assez de soutien. Voilà, merci au monde entier, à nos chers amis internautes, ceux qui suivent la chaîne La Brigade Anti-Sorcier. C'est vrai que j'étais nommé, je suis rentré hier, la collection n'était pas bonne, j'ai reçu ce qu'il manque 5 personnes sur le Skype, parce que maintenant désormais c'est 15 personnes tous les mercredis. Je précise bien que c'est tous les mercredis que nous recevons des personnes sur le Skype pour échange et puis délivrance sur le Skype. Voilà, donc la connexion n'était pas bonne là-bas à Lomé. J'ai reçu que 5 personnes sur le Skype. Donc, c'est pour dire tous les mercredis, ceux qui veulent nous avoir sur le Skype, je précise bien que tous les mercredis, normalement, les gens nous emmerdent sur le Skype. La diaspora, c'est tous les mercredis. Vous appelez au secrétariat, vous donnez vos noms, ils me font le retour et je sélectionne les personnes qu'on appelait en vent pour les prendre sur le Skype. Maintenant, en ce qui concerne les bouteilles d'huile, j'ai dit maintenant, ce n'est plus Paris et la France qui gère. C'est désormais l'Allemagne. Vous appelez Maman Naomi pour les bouteilles d'huile d'onction. Maman Naomi au plus 49 17 66 70 56 902. Je réponds Maman Naomi en Allemagne plus 49 17 66 70 56 82. Vous l'appelez pour prendre les bouteilles d'huile, j'explique. C'est 3 bouteilles d'huile d'onction pour les 3 séances. Parce que, le fait de vous déplacer pour venir en Côte d'Ivoire, c'est les frais que vous payez, c'est une manière de vous aider à distance. Les 3 bouteilles, par moi, les gens parlent. Pourquoi forcément les 3 bouteilles? J'explique. Parce que nous avons les 3 séances ici. Quand vous venez, il y a les 3 séances ici. Voilà, les 3 séances. Vous prenez les 3 bouteilles avec elle. Et en même temps, dès que vous prenez les bouteilles, elle me met dans le contact des personnes qui ont acheté les bouteilles, qui ont pris les bouteilles d'huile, et comme ça nous rentrons en contact avec les personnes pour les prières avec ces personnes sur Skype. Voilà, ces personnes sur Skype. Donc, rentrer en contact avec elle, elle s'appelle Maman Naomi, c'est plus 49 17 70 et 49 17 66 70 56 902. Je reprends Maman Naomi depuis l'Allemagne. Plus 40, 49, 17, 66, 70, 56, 902 pour les bouteilles d'huile d'onction. Comme ça, elle prendra le contact. Elle a déjà le contact de certaines personnes. Nous allons gérer ça le mercredi et tout ça. Vous savez qu'une œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous sommes en train de nous organiser. Je souligne très bien que le mercredi passé, j'étais à Lomé. Voilà, pour d'autres activités spirituelles. Mais en même temps, la connexion n'est pas bonne. J'ai reçu 3 personnes, 5 personnes. Donc cette fois-ci, je suis en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de nous aménager pour vous satisfaire par la grâce de Dieu, pour aider tout le monde. Mais je vous signale que je vous signifie que tout est fait prêt pour que j'arrive sur Paris. Paris, c'est très bientôt, par la grâce de Dieu. Nous aurons l'occasion de vous aider. En même temps, je redis encore merci. Merci à Topo Léontine, cette dame-là. Léontine qui nous a offert la provision, poisson et tout ça. Merci pour ces personnes qui pensent que le ministère doit avancer. Parce que c'est ça nous réjouit, ça nous donne assez de force. Nous avons aidé assez de monde qui sont passés ici. Nous avons délivré de la mort, mais malheureusement, en retour, c'est la méchanceté. Personne ne fait des clins d'œil. Les personnes qui étaient sur le point de mourir, qu'on a aidé aujourd'hui, même 5 centimes, parce que les gens n'apportent pas. Donc j'en profite pour dire merci. Aïda, merci Aïda pour la voiture déjà, et 4x4 Hyundai qu'elle amène très bien, qui sera là très bientôt. Donc merci, et merci pour tout ce qu'elle fait aussi. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent spirituellement, de loin, pour tous ceux qui pensent faire avancer le ministère. J'ai dit aussi merci à Louise Braga, depuis Paris. Shalom, je sois béni.